Oh, c'est super. Personne ne dort. J'ai rajouté les chaînes. Essaye de. Ou tu prends une chaise aussi. Non, non, j'entends pas, mais ou tu prends une chaise aussi ou tu te baisses. Ça te dérange. Non, c'est bon. Voilà, c'est bien là, comme ça. Accroupi, c'est bien. Quand tu veux. Noël, où sommes-nous ici? Nous sommes dans l'immeuble Sirius, architecture de Porzamparc. Le nouveau quartier, on dit le nouveau quartier de la Défense, mais on n'est pas à la Défense, on est près de la Grande Bibliothèque. Mais ça évoque un petit peu la Défense et c'est un nouveau lieu architectural, un lieu d'activité qui est en plein boom, en plein démarrage, qui évolue et qui est assez exemplaire comme développement de l'architecture dans Paris. Je te regarde. Oui, on recommence. Oui. Alors, nous sommes... Ça avait, en fait, comme réponse, plus court, peut-être. Un peu plus court. Plus court, d'accord. Ça va. Tu vas faire. Il faut juste parler doucement. Voilà. Quand tu veux. Nous sommes ici, dans l'immeuble Sirius, dans le nouveau quartier architectural de Paris, quartier de construction récente. L'immeuble est de Porzamparc et il y a beaucoup de nouvelles constructions qui se sont rassemblées autour de la Grande Bibliothèque, qui est le cœur de ce nouveau quartier, de ce nouveau 13e à Paris Est. Ça doit être 800-900 mètres carrés, peut-être 1000 mètres carrés. C'est difficile à dire parce que c'est certainement plus, étant donné qu'il y a le hall dans lequel nous nous trouvons, mais aussi des jardins et des patios à côté dans lesquels j'ai implanté des sculptures. Donc, ce qu'il faut voir surtout comme caractéristique de cette exposition, c'est l'investissement de l'espace. Pas du tout en deux dimensions comme c'est le cas habituellement, mais vraiment en 3D. Est-ce qu'on... Et où est-ce qu'on se trouve ici Je parle de la société. La société, quoi. Voilà. Je le dis. Répondez à Annie. D'accord. Dans quelle société Nous sommes ici aux rives de Paris, qui est donc l'appellation, je dirais, poétique des banques populaires, qui a trouvé ce titre qui relie les différentes agences qui se trouvent alentour. Je trouve plus poétique de dire Rive de Paris que Banque Populaire, mais avec cela, le titre est complet. Comment s'est organisée l'exposition ? Je sais, c'est en faisant court. C'est la première fois que vous le faites dans une banque, dans... Voilà, enfin, c'est un peu ça la thématique, quoi. C'est un lieu particulier, quoi. Oui. Je regarde toujours Annie. Oui, oui. L'exposition s'est organisée justement sur un titre poétique répondant assez bien à ma démarche et à mon travail qui était autour du bleu. Et partant de là, l'idée m'est venue que c'était intéressant d'aller vers l'endroit où les gens travaillent. Ils n'ont peut-être pas tellement le temps d'aller voir des expositions ou des galeries. Et là, pour une fois, et je l'ai déjà fait dans d'autres sociétés, pour une fois, on vient pendant quelques semaines, 4 ou 5 semaines, au cœur de l'institution, au cœur des bureaux. Des centaines de gens passent tous les jours ici. 800 personnes travaillent uniquement dans cet immeuble, sans compter les agences à côté et les autres sociétés dans cet environnement. Donc c'est une occasion exceptionnelle de contact avec l'art, avec bien sûr des rencontres, des discussions, des présentations des œuvres qui sont exposées ici, ateliers d'enfants aussi, enfin voilà, tout ce qui gravite autour de ce concept d'une exposition qui n'est pas comme les autres. On parlait justement des soirées qui ont lieu, qui vont avoir lieu, qui a pu accéder à cette exposition. Alors,
Alors l'exposition est dédiée bien sûr tout d'abord aux personnes qui travaillent ici, aux visiteurs de la société, ensuite aux enfants du personnel, puisque nous avons organisé des ateliers d'enfants, des ateliers de peinture pour les enfants, de peinture, de collage, et ça a bien fonctionné. Ça va même au-delà de ça, parce qu'il se trouve que lors d'un atelier, une personne qui s'occupe de l'association ADICAR, qui concerne les greffes de cœur, cette personne a vu les ateliers d'enfants, a été extrêmement impressionnée, a demandé si on pouvait offrir à l'association ADICAR plusieurs dessins d'enfants qui seront vendus pour une tombola. Je trouve cette idée assez belle, que l'exposition finalement essaime et rayonne à l'extérieur. Les enfants seront présents ce jour-là, lorsqu'il y aura cet événement, et l'événement continuera après l'exposition. L'exposition ne s'arrête pas le jour où on décroche, mais je crois que ça repart pour d'autres aventures, comme on dit. Dans cet esprit d'échange, beaucoup de personnes sont venues visiter l'exposition, soit de près ou de loin, mais en particulier, pour les dernières réunions d'ailleurs, des gens qui travaillent dans les sociétés alentour. Donc il s'est créé des échanges, une osmose, il y a le cinéma MK2 qui est juste à côté, qui attire beaucoup de monde, la bibliothèque n'en parlons pas, et moi j'ai est un petit peu le passeur ou le marieur, comme vous voudrez, entre ces différentes entités, mais en faisant venir par exemple la direction de la communication de la grande bibliothèque, des échanges se sont faits avec la communication ici de Rives de Paris Banque Populaire, et c'est très fructueux parce qu'ils vont aller se visiter les uns les autres, créer des activités communes. Ils sont voisins, ils sont à quelques dizaines de mètres et ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors je crois que l'exposition n'est pas restrictive, mais au contraire, elle a créé une cristallisation. C'est ça qui me paraît important. Oui, exactement. Je crois que l'artiste est quelqu'un qui relie les autres. L'artiste a une sensibilité qui fait qu'il voit les événements ou tout l'air du temps, ce qui se passe, avec sa sensibilité personnelle. Et je pense qu'il est comme un réflecteur ou un amplificateur peut-être par sa sensibilité pour dire aux autres voilà ce qui se passe, voilà comment on peut regarder les choses, voilà comment on peut parler, comment on peut se parler, comment on peut échanger. Des gens de services très différents ici m'ont dit, on s'est retrouvé devant l'exposition très intrigué par le montage, la préparation, l'installation, ils n'ont jamais vu ça ici. L'architecture est un petit peu sévère, un petit peu froide, et ils ont vu le lieu se transformer en quelques jours et devenir une sorte d'arc-en-ciel permanent tous les jours. Bien illustré par ce qui est derrière vous. Bien sûr, je crois que si on a un petit peu de savoir-faire ou de talent, imaginons, il faut le partager avec les autres. Alors avec les enfants, ça se fait naturellement, d'abord parce qu'ils sont très spontanés. Et on a vu la créativité pour les ateliers d'enfants. Ça fait des années que je pratique ça. Et je vois des choses vraiment extraordinaires, et notamment dans les hôpitaux, avec des enfants qui sont malades et qui, avec l'art, éclatent leur coquille et puis se retrouvent eux-mêmes. Ça me paraît une chose qui est essentielle. Et puis, dans le même état d'esprit, il y a une chose que j'ai toujours voulu faire, que je n'ai pas encore réalisée. Ça serait de faire dans un centre de SDF, avec le SAMU, SAMU social, une fresque avec les personnes qui sont là. Mais c'est très difficile parce que les gens qui sont recueillis dans ces centres,
ils passent une nuit, quelquefois deux, et même pas toujours. Donc on n'a pas le temps de construire quelque chose. Mais j'y arriverai parce que je crois que il faut le faire, ils en ont besoin. Et je pense qu'on est tous ensemble, tous solidaires. Et il faut regarder à côté de nous ce qu'on peut faire. Il y en a une quarantaine, ça fait plus de 100 avec tous les objets de musée. Comment choisit les œuvres sur une expo comme ça? Comment les œuvres ont été choisies? Pourquoi une plus qu'une autre? Oui, toujours. Pour monter une exposition d'une telle envergure, qui comporte plus de 100 œuvres différentes, 120 en tout, de toutes dimensions, des très grandes, des moyennes, des petites. C'est évidemment un travail d'équipe. Et quand je dis un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe au pluriel. Parce qu'il y a deux équipes qui n'ont pas sont affrontées comme dans le sport, mais au contraire vont dans le même sens. Il y a l'équipe de l'organisme, en l'occurrence la société, qui a demandé, qui a proposé, qui a souhaité ce projet d'exposition. Et qui a toute sa structure, son mode de fonctionnement, et puis ma propre équipe. C'est évident que pour monter une exposition et installer et mettre en scène et faire toute la réalisation, enfin je vais dire en tout cas toute la scénographie, je ne dirais pas la muséographie, mais en tout cas la scénographie d'une telle exposition, il faut des têtes, il faut des mains, il faut des bras. Et donc tout ce travail se prend beaucoup de temps et il est fait de mutuelles propositions entre l'organisateur et l'artiste et les artistes, et puis de concessions aussi, parce qu'on voudrait, mais chacun a son point de vue et il faut arriver à positiver toujours. Donc le travail ne se fait pas en une seule fois, il y a des réunions d'abord sur le lieu pour essayer de... Je crois que c'est Le Corbusier disait qu'il faut renifler le lieu, c'est très très vrai. Et ensuite, à partir de là, non pas essayer de l'occuper ou de se parachuter, mais au contraire, de voir comment on pourrait le faire vibrer, le faire chanter, le faire s'animer. Donc ça c'est le premier temps, découvrir les lieux. Le deuxième temps, l'organisateur vient à l'atelier et regarde. En travaillant sur des catalogues, bien sûr, sur des documents, des livres, sur ce qui existe, on compare avec d'autres expositions que j'ai faites. Et après ces deux phases-là, on établit une liste des œuvres qui seront implantées. Quels sont vos projets futurs? Moi, c'est bon, hein. Les projets futurs, aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Alors j'ai plusieurs projets d'exposition. Il y a des projets d'exposition, je veux dire entre guillemets, plus classiques comme celle-ci, encore qu'elle soit un peu exceptionnelle par ses dimensions et puis par son déroulement. Donc j'ai dans mes cartons plusieurs projets d'exposition, principalement avec des musées, sur un programme de 3 ou 4 années. Mais j'ai envie de privilégier des choses... très différentes. Vous couperez au montage si ça ne va pas, mais il y a une chose qui me tiendra à cœur en particulier. Cette idée ici de l'exposition est venue par l'idée de confiance et une idée de un petit peu de générosité quand même aussi, puisque c'est l'association de l'hôpital pour lequel j'anime des ateliers d'enfants, des ateliers de peinture, qui est venu mettre cette structure sur pied. Il y a deux moments importants dans la vie, c'est la naissance. Moi qui ai coupé le cordon ombilical de mon deuxième petit-fils parce que le papa n'était pas là. Il était à un festival de films à La Rochelle juste à ce moment-là. Donc c'est le moment émouvant quand la vie arrive. Et puis un autre moment, c'est quand elle s'en va. Et l'hôpital en question a un amphithéâtre. C'est donc le dernier lieu où on se repose.
qui est triste, mais ça, c'est, j'allais dire, c'est normal, mais non. C'est gris et ça ne donne pas envie d'y aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut y courir, mais c'est une idée peut-être qui est dans l'air et je répondrai oui si elle se concrétise. Ça serait d'apporter un peu de couleur, il ne s'agit pas de faire du bariolage, bien sûr, mais ça serait peut-être le prolongement, pas tout de suite, dans quelques temps, de cette exposition. Je ne dis pas d'investir le lieu, parce que après tout, ça peut être mon dernier passage. Et ça serait bien que je m'accompagne moi-même, mais ce n'est pas égoïste, c'est surtout pour accompagner les autres. Ce n'est pas moi qui parle du bleu pasquier, et donc il y a des précédents, j'ai un confrère qui a établi un bleu, mais lui, son bleu est complètement étiqueté, fixé, définitif, et n'évolue pas. Alors que mon bleu est beaucoup plus étendu, il va d'un bleu lumière, j'aime bien cette définition, un bleu céruléum, un bleu ciel, un bleu presque turquoise, jusqu'à un bleu très très sombre. On le voit dans une des tapisseries exposées dans l'exposition, on a peine à distinguer le bleu très sombre du noir, à tel point que dans le catalogue, il faut vraiment bien regarder de près la typographie, qui a un bleu tellement foncé qu'on le croit noir. Mais quand on regarde attentivement, c'est un bleu foncé. Et je crois que la vie est faite de ces nuances. C'est bon. Oui, on le voit en vidéo.